sati ibra se kanade ibra sata mandiri bushakananade saranos. Pierre a dit, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, Jésus? C'est toi qui as les paroles de la vie. Dans la présence de qui, Seigneur, trouverai-je la paix si ce n'est dans ta présence? Avec qui d'autre aurais-je la joie, Seigneur intérieur? Dans la présence de qui d'autre serais-je restauré? Dans la présence de qui d'autre serais-je transformé, serais-je changé, si ce n'est dans ta présence, Jésus? Ce matin, Père, nous voulons venir dans ta présence. Nos cœurs assoiffés de toi et de toi seul. Nous n'avons pas soif des choses qui sont dehors. Nous n'avons pas soif des choses qui nous entourent, Seigneur, parce que eux ne sauront jamais nous rassasier comme toi. Tu pouvais dire à la Samaritaine, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais, jamais soif. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi, Jésus. Je m'attends seulement à toi. Proclamons-le ensemble, je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Nos cœurs sont assoiffés de toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Soifé, papa, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Mon père, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. Le cœur a soifé. Le cœur a soifé de toi. Mon Dieu, je m'attends à toi. Je ne m'attends pas à un homme. C'est à toi que je m'attends. Je m'attends à toi, Père. Je viens. Le cœur saturé de toi, le cœur qui a cherché des solutions ailleurs, le cœur qui a couru après la sagesse de ce monde et qui s'est rendu compte par la suite qu'il n'y a que ta sagesse à toi qui dure dans le temps et qui est réelle et qui est la vie. Seigneur, je viens dans ta présence. Cette présence qui sait me donner la paix que le monde ne saura jamais me donner. Cette présence-là qui me donne la sagesse, qui me donne la maturité que je ne saurais jamais gagner dans le monde. C'est après cette présence que je soupire. C'est après cette présence que je cours chaque jour. La présence de mon Père. Et de la roche. Mon roi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Ma vie, ma nation, mon église a besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis-le avec moi. J'ai besoin, j'ai besoin, j'ai besoin de toi. Que tes entrailles
entendent ces paroles et les proclament de tout son cœur. J'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de toi. Ma famille a besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon roi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon église a besoin de toi. J'ai ma famille a besoin de toi. Mes enfants ont besoin de toi. Mon mariage a besoin de toi. J'ai mes études ont besoin de toi, Seigneur. Mon travail a besoin de toi pour gagner en sagesse, pour gagner en maturité. Oh, j'ai besoin de toi. Ah, Jésus. Est-ce que tu peux réaliser à quel point tu as besoin de lui? Seigneur, je réalise à quel point le monde a besoin de toi en ce moment. Quelqu'un pouvait dire, aujourd'hui, nous regardons les choses de ce monde. Nous regardons l'élan que ce monde prend. Que tu le veuilles ou non, tu ne peux qu'attester que ce monde a besoin d'une force plus grande que celle d'un président, que celle d'un... Notre nation a besoin de toi. Le monde dans lequel nous sommes a besoin de toi, Jésus. Chaque jour, un peu plus, nous te désirons. Seigneur, quand je regarde tel que le monde est en train de partir, je réalise qu'en réalité, c'est toi qui es le plus grand. Parce qu'avec la situation que le monde peut traverser, je me rends compte que les plus grands de ce monde, que les grands de ce monde n'arrivent pas à trouver la solution. C'est en ce moment-là que mon cœur réalise cette vérité présente aujourd'hui, que c'est toi le plus grand. C'est toi le plus grand, Jésus. C'est toi le plus grand. C'est toi le plus grand, Jésus. Ce n'est plus une phrase, une chanson que j'ai l'habitude d'entendre, mais c'est quelque chose que je vis de façon perpétuelle chaque jour, Seigneur, depuis ces derniers temps. Tu es le plus grand. Yatara mosikata yeva me.
soupirant, proclame-le, proclame qu'il est le plus grand. Que ce ne soit pas juste une chanson, mais regarde ta vie et réalise qu'il est le plus grand. Regarde les forces de ce monde qui cherchent à trouver des solutions, mais leurs solutions engendrent encore d'autres problèmes. Et réalise qu'en réalité, il n'y a que lui qui soit le plus grand. Seigneur, ce matin, nous réalisons que tu es le plus grand. Que tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout, proclame-le avec moi, tu es le plus grand, Jésus. Au-dessus de tout, Papa, tu es. Tu es le plus grand. Tu es la rose chaque année. Au-dessus de tout. Au-dessus de Jésus, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Tu es. Est-ce que ta vie sait reconnaître qu'il est le plus sage? Moi, ma vie reconnaît qu'il est le plus sage. Il m'a fait passer par des chemins, comme David pouvait le dire, des chemins sinueux. Mais dans ces chemins, je me suis rendu compte qu'à la fin, c'était lui le plus sage. Ces chemins paraissent longs, ces chemins paraissent compliqués. Ah, mais à la fin, tu sais réaliser que lui, il a été le plus sage. Jésus.
je t'ai rencontré, Seigneur, tu as montré ta sagesse dans ma vie. Tu as montré ta grandeur dans ma vie. Au point où aujourd'hui je sais m'arrêter et dire à ce monde que je ne suis plus esclave de la peur. Mais moi je suis enfant de Christ. Et c'est avec cette identité que je sais marcher dans le monde à tête haute malgré les circonstances. Nous voulons s'en proclamer ces paroles. Nous voulons proclamer ces paroles et les voir se réaliser dans notre vie. Nous voulons attester dans notre être intérieur et que ces paroles-là découlent jusqu'à notre être extérieur dans le nom de Jésus. L'amour de Jésus au fil du temps me suffit. Alors que tu ne pouvais pas enfanter, le Dieu qui t'a fait cette grâce te fera encore cette grâce. Parce qu'à l'instant où je te parle, l'on a perdu l'enfant que tu viens de mettre au monde. Et je pouvais regarder les lumières dans le bloc opératoire, oh, et voir le Saint-Esprit me remplir de l'amour de Jésus en me disant: je ne suis pas un menteur. Si je t'ai dit que tu auras un fils, je ne peux pas te donner un cadavre. Et son amour m'a entouré, son amour m'a environné. Et c'est cet amour-là qui s'est rempli le monde. Alors que le monde paraît si perdu, alors qu'aujourd'hui une femme est capable d'abandonner son enfant, alors qu'aujourd'hui un père est capable de ne pas reconnaître son enfant, l'amour de Jésus vient dans ce désordre et nous entourer. Jésus, tu m'as ébloui par tes mélodies, et tu m'entoures d'un chant d'amour. Tu m'as ébloui par tes mélodies, et tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. J'aime ce couplet qui dit: avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, Seigneur, et appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, et ton sang coule dans mes veines. Alors que le monde est en train de parler du vide zéro, moi dans mes veines, c'est le sang de Jésus qui coule. Et c'est ce sang que nous proclamons, c'est le sang de Jésus. Alors que la peur
environne ce monde en ce moment. Nous, c'est le sang de Jésus qui coule dans nos veines. Et c'est de ce sang-là que nous parlons. C'est ce sang-là que nous venons proclamer en ce matin. Jésus, Jésus, Jésus. Et ton sang coule dans mes veines. Nous le proclamons. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de l'argent. Je ne suis plus esclave des nouvelles que peut m'annoncer ce monde. J'aime cette femme-là dans la Bible, dans le livre de Rois. Son fils était malade. Et quand elle est arrivée avec l'enfant dans la chambre, l'enfant était mort. Nous pouvons imaginer une femme qui perd un enfant qu'elle a désiré de tout son cœur. Oh, mais j'aime l'attitude de cette femme. Lorsqu'elle a dit à son mari, donne-moi un âne, je vais aller voir le prophète. Il lui a dit, mais ce n'est pas le sabbat. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Alors peu importe les nouvelles que ce monde peut m'annoncer, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, Seigneur. Et ce monde a besoin d'entendre le son de ta voix. Entendre, entendre qu'avant ma naissance, tu m'avais choisi. Seigneur, tu m'avais appelé par ton nom. Et c'est ton nom qui est sur ma vie. Le monde a besoin de sortir de l'esclavage, Seigneur. Alors, moins nous, Seigneur, moins nous. Soutiens-nous par ton onction. Ah, Jésus, le monde attend ardemment. Charababa saute. Ah, ce verset-là est devenu très vrai dans notre vie aujourd'hui. Le monde attend, le monde souffle les douleurs de l'enfantement ces temps. Et le monde attend notre révélation. Mais nous ne voulons pas partir tel que nous sommes là. Nous voulons partir avec ton onction. Nous voulons partir avec ta sagesse, la maturité qui vient de toi. Alors viens nous moindre, Seigneur. Alors que tu as mis ce programme à part pour nous remplir de ta maturité, de ton onction, de ta sagesse, Seigneur, pour nous relâcher dans ce monde perdu. Soutiens-nous, Baba, moi, nous, 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 Souti
Quelques semaines, je disais au Saint-Esprit, moi j'ai peur de faire le pas dans le ministère et de me retrouver à faire des erreurs, de me retrouver à être disqualifié. Oh, j'ai aimé la réponse du Saint-Esprit. Pierre dit qu'il a les paroles de la vie et c'est vrai. Il m'a dit, regarde Saül. Et regarde David, il dit, le peuple a choisi Saül et moi j'ai choisi David. Il m'a dit, est-ce que David n'a pas fait un erreur? David a fait bien pire que Saül. David a tué le mari de quelqu'un. Il a pris la femme de quelqu'un. Ah. Mais il dit, tu vois, je dis de ce David que mon fils est assis sur son trône. Il dit, les hommes ont choisi Saül, mais moi j'ai choisi David. Ah, celui que tu choisis, Saint-Esprit, c'est toi qui l'intronise, c'est toi qui le soutiens, c'est toi, Saint-Esprit. Entendre le Saint-Esprit te dit lâche prise. Il dit lâche prise. Il dit lâche prise. Il a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Il n'a pas dit va de l'autre bord. Il dit allons de l'autre bord. Ce qui veut dire qu'il est avec toi. Il ira avec toi de l'autre bord. Alors ne dis pas, Seigneur, j'ai trop cherché la sagesse, je suis fatigué. Ne dis pas, Seigneur, je suis épuisé. Il est avec toi. Il te tient la main pour qu'ensemble, vous puissiez aller de l'autre côté. Oh Jésus, 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 Jésus. Parfois les soucis sont tels que tu as juste envie de t'arracher les cheveux parce que tu n'as pas de soucis. J'aime cette parole qui dit, alors que tu es faible, c'est alors que moi je suis fort en toi. Moi je veux passer de l'autre bord avec toi. Ah Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, on ne sait pas te voir avec les yeux, mais tu viens dans un doux murmure. Ah. Si la mer
se déchaîne. Si le vent souffle fort, si la peur t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il dit à quelqu'un, n'aie pas peur du chagrin. Il dit, n'aie pas peur du chagrin, n'aie pas peur du chagrin. C'est juste des étapes dont tu as besoin pour réaliser à quel point moi, mon amour à moi, il est pur, il est vrai. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la peur que t'entraîne n'aie pas peur de la mort, si la peur que t'entraîne n'aie pas peur de la mort. Il dit, si un jour sur ta route tu rencontres, crois en Jésus, crois en Jésus, crois en Jésus. Même si le monde te montre autre chose, même si l'homme avec qui tu t'es marié ou la femme avec qui tu t'es marié, qui t'a juré de t'aimer, te montre autre chose. Il dit, lui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il te donne de sa paix. Crois en Jésus, crois en Jésus, il t'aime, il te donne de sa paix. Si un jour sur ta route tu rencontres la mort, ne sois pas dans le doute, ne sois pas dans l'inquiétude. Dieu protège, il protège, il protège ses enfants. Il dit, ne sois pas dans le doute, Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de notre bord, allons de notre bord. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu coulerais, que tu coulerais. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit que tu sombrerais, que tu sombrerais. Ah, mais il a dit, il a dit, allons de notre bord, allons, allons de notre bord. Là, c'est le Seigneur qui nous a parlé. Maintenant, nous voulons lui dire ceci. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Tu m'as dit, allons de l'autre bord. Donc, j'attends jusqu'à ce que ta gloire descende. Je vais emprunter ce chemin-là, peu importe ce qui va arriver. Sur ce chemin, j'attends ta gloire. J'attends ta gloire qui va descendre sur ma vie.
Seigneur. Ah oui, même si les gens critiquent, même si les gens me rabourrent. Ah, mais moi j'attendrai ta gloire. Alors qu'il t'a parlé, c'est à ton tour de lui parler. Parce que tu lui fais confiance. Dis-le-lui. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende sur ma vie. Dans la bouche. Bravo. Ibrazé, Kitaya, Brazaya, Made. J'attendrai jusqu'à ce que ton amour me parvienne. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ton amour devienne vrai dans mon cœur. J'attendrai jusqu'à ce que je réalise entièrement ton amour dans mon cœur. Je ne lâcherai pas ta main. Quelqu'un a dit, les soucis que nous avons, les troubles de nos cœurs ne se lisent pas sur notre visage. Du reste, même le Saint-Esprit nous dit que nous ne savons pas quoi demander. Ah, mais lui, il a des soupirs inexprimables pour nous auprès du Père. Saint-Esprit, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dis-le-lui. Oh, moi, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende et environne ma vie. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Mon ami, montre-toi tel que tu es. Ah, mon Jésus, montre-toi tel que tu es. Je veux te voir. Tel que tu es à ma santé, je dis, montre-toi,
chemin. Tel que tu es, tel que tu es. Merci Saint-Esprit. Merci parce que tu te montres de façon palpable. Merci parce que tu te montres de façon tangible. Tel que tu es, Seigneur. Montre-toi à moi de sorte à ce que aucune situation de ce monde ne pourra me faire taire, ne pourra me faire plier les genoux. La Bible dit que eux ils fléchissent les genoux, mais nous nous restons debout parce que nous avons vu ta gloire. Nous ne comptons pas sur les chars, nous ne comptons pas sur le vaccin, nous nous comptons sur la sagesse, sur la gloire, sur la puissance. Et en réalité, dans ce monde, dans tout l'univers, c'est notre Dieu qui est grande statue. Dans la bouche. Je te vois tel que tu es. Aujourd'hui je te vois tel que tu es. Aujourd'hui je te vois tel que tu es. Mon amour, aujourd'hui je te vois on a dit maintenant, 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 je te vois tel que tu es. Oh, je suis souriante parce que maintenant, je te vois tel que tu es. Est-ce que ton cœur peut lui rendre toute la joie? Est-ce que ton cœur peut lui rendre toute la gloire? Est-ce que ta vie peut lui rendre toute la gloire? Avec tellement d'assurance, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je le vois tel qu'il est. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta maturité, pour ta sagesse, que les hommes sauront reconnaître dans ma vie. Merci parce que la faveur que j'ai d'en haut découle sur ma vie au point où j'ai la faveur des hommes, Seigneur. Ta sagesse, avec ta sagesse, nous rentrons dans tous les compartiments de ce monde. Nous rentrons dans tous les domaines de ce monde et nous manifestons la sagesse de Christ. Et merci Jésus. Que toute la gloire te revienne. Yeshua, nous sommes reconnaissants. Yeshua, nous sommes reconnaissants. Le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur, le Sauveur. Il crie Sauveur dans ton esprit, parce qu'il n'y a que lui qui va te sauver. Il n'y a que lui qui saura te sauver de cette honte que tu traînes depuis tout ce temps. Shh.
que ton esprit appelle le Sauveur. Que ton esprit bénisse le Sauveur. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis le Sauveur, bénis le Sauveur, le Sauveur. Celui qui t'apporte le secours éternel. Merci Jésus parce que tu m'as sauvé de la honte. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia.